21 juin 44. Après l'arrivée des Allemands chez Damian, leur disparition, la découverte d'un massacre, Arsa, avec son fidèle chien Shimun, part en direction du village de Sarre pour trouver des réponses. Donc c'est le, le début de l'après-midi. C'est le début de l'après-midi et je suis à pied en direction de, du village de Sar. Très bien. Il me semble qu'on avait dit que tu voyageais en passant par les arrières du village, c'est ça oui. Donc, sur son chemin et son parcours, en faisant attention, là, une chose qui attire un peu le, le regard, c'est que normalement, ce début d'après-midi, il y a quand même des champs, il devrait y avoir un peu d'activité, et plus tu te rapproches du cœur du village, et moins tu vois d'activité, ce qui est peu courant à ce moment-là. Donc, en fait, tu passes par les arrières du, du village, donc tu passes devant l'oratoire Saint-Pierre, tu sais, ces petits... Monument que vous avez sur les routes basques. Tu passes celui de Saint-Isidore et tu arrives dans les champs, juste dans le champ, pardon, qui est la place du village, avec le puits communal et là où il y a l'église Saint-Martin, le trinquet et le bar Baquetou. C'est vraiment le cœur du village et là, en début d'après-midi, de tu devrais quand même avoir un peu d'activité. C'est désert. Désert, style les gens sont pas là ou désert, juste extrêmement tranquille tu peux choisir ce qui t'intéresse. Soit c'est extrêmement tranquille, soit les gens ne sont pas là. Tu auras plutôt tendance à te dire, par rapport à ce que tu vois d'habitude, il y a quand même toujours un ou deux vieux qui sont là en train de jouer peut-être euh, euh, au bout, de prendre euh, avec le bar, euh, bac et tout, de prendre une boisson, même si c'est euh, le temps d'occupation et que c'est quand même plus calme. Il y a quand même un peu d'activité là. Le trinquet, il y a toujours euh, une ou deux personnes qui, qui tapent dessus. En tout cas, il y a un peu d'activité là, c'est le néant. Hmm. Donc Artsa se dirige vers le bar. Il va rentrer dans le bar, il connaît bien le patron, parce qu'il s'arrête assez régulièrement à ça, et il va aller prendre des nouvelles et voir où sont tout le monde. Ok, donc en fait c'est facile, comme c'est une place avec une église, un champ communal avec cette, ce puits central, et sur le côté tu as un bâtiment un peu plus en dur et avec un étage qui, est, qui fait office à la fois de mairie de petits marchés couverts et sur le côté c'est là où il y a le bar avec la partie terrasse qui donne un peu sur le, sur le champ donc euh, tu te déplaces vers cette, cette partie là et euh, tu arrives devant l'entrée du bar qui est euh, la porte est fermée le bar est fermé un après-midi c'est ça que tu me dis oui en tout cas la porte est fermée elle est peut-être pas fermée à clé mais la porte est ouverte d'habitude la porte est toujours ouverte et il y a au moins des gens dedans et tout ça là la porte est refermée quoi eh ben, et bien, j'ai de. après, il y a les vitres qui donnent, mais tout. Ouais. Donc, euh, tu, tu peux ouvrir la porte. La porte s'ouvre. Ouf, ok. C'est bizarre. Euh, y, en quelle saison sommes-nous encore On est le 21 juin. Donc, le 21 juin, il fait chaud. Donc, il même oui. pas en rêve, il laisse euh, les portes fermées parce que ça doit étouffer à l'intérieur. Donc, je rentre, suspicieux, mais je rentre. Et euh, le patron du bar s'appelle. Comment il s'appelle le patron du bar Est-ce que tu as un nom ou est-ce qu'on est qu l'invente euh, Donc on peut, je peux te donner un nom, le patron du bar fait partie de la, partie de la famille des Detcheveri. Et il s'appelle Iban, il s'appelle. Iban Detcheverri, voilà. Oh Iban Donc la porte a légèrement grincé quand tu as rentré, il y avait quelques marchands en bois, ça, ça craque sous tes pas et... D'habitude, ces bruits-là, on ne les entend pas parce qu'il y a toujours un peu d'activité. Donc là, le moindre bruit, bah, ça, ça résonne. Et t -t Ta voix porte et effectivement résonne un peu à l'intérieur, mais il n'y a pas de, pas de réponse. Et donc, je rentre à l'intérieur et qu'est-ce qu que je vois Tu vois euh, le bar tel que tu le connais, comme quand il est rangé et, euh, et qu'il est euh, pas utilisé. Donc, euh, la seule différence, c'est que là, il a effectivement, tu, sur les tables, il y a des couverts qui ont été utilisés. Comme si des gens étaient venus, il y a des verres, mais tout le monde est parti. Mais pas dans la précipitation, rien n'est renversé, les chaises sont bien sorties. C'est comme si euh, des gens étaient venus, étaient repartis, et que le patron et les employés n'avaient rien rangé ou autre. Quoi. Donc tu as légèrement une odeur de la nourriture qui est encore là, ou du café, euh, peut-être même une vieille liqueur qui reste euh, dans cette odeur-là. Et puis, comme la porte était fermée, comme tu as dit, il fait chaud, tu as un peu cette chaleur un peu euh, qui étouffe un peu, qui, qui est là. Mais rien d'autre pour l'instant en tout cas. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception De spot hidden. Oui. Spot hidden, oui. Alors c'est tout à fait ma spécialité, non je déconne. Et je rate... ton métier euh... quand même, un minimum. Tu rates de combien Alors j'ai fait 65 et j'ai 27. Oula, ah, oui, tu rates. <laughs> ok, donc tu es, tu es bien concentré. Donc en fait, tu étais en train d'appeler, d'écouter. Mais, euh... mais non, c'est listen qu'il faut faire. Tu dois avoir listen. Ah, tu m'as dit perception. Pardon, je voulais dire listen, excuse-moi. Tout à fait. Et je fais 75 pour 55, je rate quand même, de 20 okay, points. Mais moins. <rire> <Okay>. <rire> donc, en fait, tu es bien construit à écouter. Effectivement, tu n'as pas d'écho particulier. Euh... Bon, en tout cas, avec le son étouffé. Euh... Euh, donc, ok, qu'est-ce euh... qu que tu fais Je pense que Artsa de Malgré son bon petit déjeuner, parce qu'il avait préparé le petit déjeuner mais relativement très tôt et il a beaucoup travaillé aujourd'hui, il va prendre sur une des tables, s'il reste un bout de pain, il va prendre un bout de pain, il va commencer à, tu sais, machinalement grignoter son bout de pain et se diriger. Donc, donc il y a la salle de restaurant, ensuite il y a le bar de côté. Donc Artsa va se diriger vers les cuisines tout en continuant à appeler. Il y a quelqu'un Hola Donc en fait, c'est une petite... Euh, c'est comme petit... Euh... Bar-restaurant, donc effectivement, tu as le comptoir principal et le comptoir permet d'accéder à la cuisine derrière. Et euh, de cette cuisine-là, il y a un, aussi un escalier qui permet de monter à l'étage. Donc, tu es passé derrière le bar, donc tu as vu toutes les affaires habituelles de, du bar, quoi, il n'y a rien de détournant. Tu arrives dans la cuisine, il y a effectivement la, la nourriture euh, en train d'être préparée. Tu vois qu'il y a un truc, une braise qui est éteinte ou autre. Euh, tu vois que bah, la connaissance d'Iban sont. Euh, L'eau qu'il a été prendre au puits, qui a été utilisée pour faire la cuisine, qui est qui est là. Enfin, tout est comme si euh, effectivement il y avait eu il y y l'activité classique euh, de la journée, mais que euh, tout le monde était parti quoi. C'est très louche et ça me fait un peu flipper. Donc euh, Arta, euh, tu vois que Shimoun est à tes... reste bien à tes côtés. Très bien. Il doit sûrement par partager de tes tes sentiments. Donc euh, Arta, flippe un peu. Euh, pour être honnête, donc retourne dans la dans la salle principale où il y a le bar et tout. Et tout d'un coup, il a une idée. Il va regarder en fait s'il y a des traces de bottes au sol, comme si en fait l'idée qu'il a, c'est peut-être les Allemands ont débarqué aussi et les ont emmenés mais pas dans pas dans le dans, dans la panique au contraire euh, armés et bien rangés. Donc il va essayer de voir s'il y a des traces de bottes par terre ou s'ils sortent s'ils sortent devant le, le bar étant donné qu'il y a la place, donc ça doit être en terre, donc les traces de bottes en terre ou des, des, des traces de, de véhicules et essayer de voir si l'armée est peut-être passée par là tout simplement. D'accord, donc là, parce que... ok, donc c'est à l'extérieur. Enfin, tu peux déjà regarder à l'intérieur ou c'est parce que bien, je là, regarde déjà sur le sur le carrelage à l'intérieur. Ok. S'il y a de la boue, ou... n'oublie pas qu'il a plu la veille, donc euh... donc il y a peut-être de ouais. la boue. Sur euh, et en, la, la femme, la femme d'Anton euh, Miren Chu elle était assez, euh, assez maniaque sur, euh, sur le nettoyage donc euh, s'il a plu la veille elle l'aurait elle nettoyé mais si des gens sont arrivés récemment avec euh, de la boue dans, sur les bottes clairement euh, ça se verrait les traces de bottes sur le carrelage et s'il trouverait rien à l'intérieur ben il va aller à l'extérieur et regarder sur la place c'est ça okay. donc on commence déjà par faire un, un G2 ça être track je présume J'imagine. Je fais 32 pour 50. Ok. Donc, dans la, dans la pièce, il euh, n'y a pas de boue particulière, ça a été bien rangé, mais tu vois des traces de pas, mais pas de... comme tu as quand même réussi et que tu es, es habitué. Ça ressemble plus du classique. Et euh, au moment où tu allais voir vers l'extérieur et donc tu allais ouvrir la porte, tu, tu es surpris parce que la porte s'ouvre devant toi et tu as un, un jeune officier, euh, enfin, je ne sais, tu sais pas si c'est un officier, tu vois un jeune militaire allemand. Qui, qui débarque avec euh, sa, son sort de fusil mitrailleur au, euh, au dos, son Walter G43 euh, au dos. Euh, tout est tourné de te retrouver là. Il m'a vu ou j'ai le temps de. Ah non, veut pile en face de toi. Au moment où tu allais sortir, non, non, ben non. tu n'as pas le temps. Tu peux, alors tu peux te jeter, mais tu as vu. Hein, C'est facile, étais, tu regardais les traces, tu allé vers l'extérieur pour trouver, et là, la porte s'est rouverte devant toi, donc tu es en face de lui, tu le vois, donc tu peux. Faire ce que tu veux. Et lui, il arrive. Donc, le fusil, il est euh, en bandoulière, il n'est pas en main. Il, est, il vient d'ouvrir la porte. Et euh, il est aussi surpris que toi de te voir. Euh, il est en tenue euh, militaire. Mais ce n'est pas une tenue d'officier, c'est une tenue de soldat. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais La porte s'ouvre dans quel sens mmh, Il l'a tiré. Ok. Ça ne m'arrange pas, ça. Dans un moment de pur réflexe, Artsa va lui Donner un coup de pied dans les couilles ou un, ou un coup de poing dans les couilles, quelque chose que, quelque chose d'assez vicieux, mais qui a pour but de l'immobiliser, et ensuite il va partir en courant par l'arrière. C'est possible, ça? Oh. Bah, tu... Oui, alors euh, vu que vous êtes tous les deux un peu surpris, on va d'abord essayer de voir euh, qui c'est qui va agir en premier. On sait pas gagner ça, donc on va regarder la Dex 15. Tu as 15 en Dex, alors mon ami il a. Ouh. Eh ben dis donc, plus rapide que lui. Tu veux... en fait, tu vas avoir la fraction de ton ancienneté de ta ton... vie qui fait que tu vas agir avant lui, mais de pas grand chose, juste ce qu'il faut pour faire. Donc ok, donc tu lui mets un coup de pilier je présume donc ça non, non, je lui mets un coup de poing plutôt. Donc c'est un coup de poing dans ce cas c'est pas un kick, c'est. Ouais, mais je vise une partie où en fait, qui a pour but de l'immobiliser. Euh... Euh, dans pas ce cas, un... je te de, je, propose de mettre une, je pense que je vais mettre une difficulté. Donc, euh, si tu veux euh, viser une partie qui est plutôt euh, difficile à atteindre, je crois que ça veut dire que c'est un bon. Euh... Au moins, c'est 50%, quoi. Mais coup de poing, c'est 50%, donc. Euh... Ah oui, bah, 50% de 50%, tu sais bien que c'est un jeu où on fait des maths. Donc euh, que... 25%. Donc c'est. Voilà. Donc <laughs> on veux dire, à une chance sur quatre de réussir. C'est pas gagné, hein. Bon bah, sinon, sinon, tu réussiras à le toucher, mais pas là où tu voulais, quoi. Euh, ben bah, là, non, en fait, je réussis pas du tout à le toucher, même. T'as fait combien j'ai fait 66 et j'ai 50 euh, le truc okay. de base un coup de poing. Donc euh, hyper surpris par rapport à lui, quelques mois je vois la situation. T'as voulu lui mettre un truc pour, lui, pour lui taper donc t'as peut-être voulu taper effectivement les, les parties. On va dire c'est ce que t'avais envie de faire. Sur le coup t'as raté t'es stoppé, donc t'as mis un coup de poing pas fort pas de truc dans, dans son torse quoi donc tu l'as poussé quoi. Lui il essaie de t'attraper donc il fait un grapple. Okay. Ouh ça passe. Donc, euh, en fait, t'es attrapé, il te tient la main. Euh, sur le coup, il te fait Face « Fasse euh, pas Où sont les gens ?» Et pour l'instant, il te tient la main. Il a rien fait d'autre. Il a toujours son arme dans le dos euh, Oui, oui, elle est en bandoulière. Hein. Tu peux faire un jet de perception, puisque la porte est ouverte. Euh, donc, un jet de voir. C'est quoi Spot Spot hidden. Spot hidden. Ça. Là, ça va être spot hidden, ouais, ouais. Je, pense. Euh, je rate. De combien de plus de 50. Ok. <laughs> donc, tu es focalisé sur le torse de ce, soldat, ce jeune soldat allemand sur qui te tient la main et donc, oui, qui a son truc en bandoulière et euh, qui a un casque et tout ça. Je vais essayer de lui. Je vais essayer de lui arracher son arme et de la prendre en main. Donc, je pense qu'on est sur du grapple. Bah, ben, il... Ouais. Donc, euh... Normalement dans les règles que j'ai lu quand tu fais du grapple, le premier c'est pour te saisir de l'adversaire, le deuxième c'est pour arracher l'arme, quand, ce... quand quelqu'un tient une arme par exemple. Donc là il a dans le dos, elle a en bandoulière, enfin elle pend à ses côtés entre guillemets. il est, est déjà contre moi puisque lui donc, il grapple, donc euh, 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 j'ai à... pas besoin de le faire puisque lui il le fait. Il t'a pas collé contre lui, il te, tient le... il te tient la main, il t'a pas collé contre lui, il vous dansez pas. Un, ça. Okay. <laughs> une danse. Donc j'aurais tendance à dire c'est un peu le même principe, donc tu vas faire un grapple pour te mettre en bonne position pour attraper l'arme et il en fera faire un deuxième pour euh, attraper l'arme moi je suis pas un combattant ça paraît cohérent hein. je suis pas un combattant bah, c'est toi qui as attaqué hein. moi ça me ouais. va hein. je rate ok donc euh, à lui euh. bon, il réussit donc euh, en fait t'as essayé de donc, de tourner de... il a pas trop compris ce que t'as fait ou autre dans le mouvement quoi en tout cas tu t'es rapproché de lui t'as pris un autre grapple et il t'a au sol, enfin, tu au sol devant lui, quoi. Donc, là, il sort son pistolet et il te braque. Je lève les bras, il lève les bras il se redresse. Donc, c'est un petit Walter P38, quoi. Hey, qu'est-ce que répondez à mes questions? Donc, il parle avec un fort accent allemand. vas passiert Où sont les autres? Il t'écoute Je réponds en basque et je dis « je comprends pas ». J'ai les bras levés, par contre. Euh, où est euh, Michel Le Rambour Donc Michel Le Rambour, tu sais que c'est le maire du village. Donc il continue à parler en français Oui. Avec son accent, oui. Je regarde. Ok. Donc euh, là, tu vois qu'il fait « Vos loit, Une fois de plus, je... Je, je fais un okay. signe comme quoi, le signe international de je capte rien à ce que tu me racontes mon gars. Ouais. Ok. Est-ce qu'il a gardé son, son flingue levé Oui, oui il, a, il te braque avec son flingue là. Okay. Donc j'ai quand même eu le temps de me redresser et de garder les bras en l'air, on est d'accord, je, je suis redressé. Ok, moi bon, il, il, te, il, te euh, il te laisse faire ça, il a pris un pas de recul. Et euh, il te montre avec le pistolet, il te montre la, la table. Va à la table, assis ah, Je vais aller m'asseoir à la table. Très doucement. Tu sais, de style... Je ne fais pas de gestes brusques. Et... Qu'est-ce qu'il y a sur la table Il y avait un repas, non Une euh, assiette euh, Ouais, il y a, y, a y a des assiettes et trucs comme ça. Quoi. Des couteaux, des fourchettes, ouais, un verre. Ça. Euh, ouais, ouais. Une carafe. Ouais, tout ça Il ouais, ouais, y a tout ça. ouais sûrement, il y a tout ça. Donc, au moment où t'es en train de te déplacer, il y a un autre Allemand qui arrive et encore un autre Allemand qui arrive. Donc un dans le même type que celui avec euh, pareil la même tenue, euh, même tenue militaire, euh, le fusil en bandoulière, le truc comme ça. Et juste derrière arrive un autre plutôt en un... officier qui arrive. Et euh, là ils, ils parlent entre eux. Tu pas. Dans ton... enfin, ils te braquent, mais ils ont l'air de. Ils parlent pas entre guillemets fort entre eux quoi. Mais euh... de toute façon, je parle pas l'allemand donc. Euh... Voilà. C'est pas comme si ça allait m'aider. Euh... <laughs> Juste, tu me dises ce que tu vas faire là, si tu t'assois ou pas, et après je te dis ce qu'ils font. Et donc ils ont un peu relâché leur. Ils me braquent toujours, mais ils ont plutôt entre. Ils ont relâché leur... leur. Oui. Enfin, en tout cas, il est un peu moins sur le, le tout parce qu'il est... Il est. Ils sont moins sur le qui vive. C'est ça. Voilà. Peut-être. Potentie potentiellement, ils sont inquiets. Parce qu'ils sont en train de discuter entre eux. Quelles sont mes chances de réussir si je pars en courant dans la cuisine mmh. Tandis qu'ils qui font pas très attention à moi. Les mots que tu captes quand même, t'entends. Zivartet. Voder, der Buchmeister ist. Damian. Wo is here. dish Et euh, donc, ça, c'est plutôt l'officier qui, qui parle un peu, quoi. Et donc tu as, as l'autre euh, qui répond. Er nicht. Niemand hier. Donc toi tu entends ces trucs là, okay, Et tu te dis quelles sont tes chances d'arriver derrière le truc. Tu te dis que tu as des avec ton ta façon d'être et tout, tu connais un peu les lieux, tu as des bonnes chances d'arriver là, mais en te prenant certainement, ils sont quand même trois, au moins tu te dis il y a quand même une chance au moins une balle quoi. Et c'est ça qui m'inquiète. Je vais attendre de voir. Je vais mettre les mains sur la table, normal, et je vais essayer de glisser un des, le couteau dans, dans ma manche, ou la fourchette, plutôt la fourchette, puisque c'est de, de ma main droite, euh, histoire que ça ne se voit pas, et puis je vais attendre de voir ce qu'ils font. L'officier, euh, les deux se, se retournent vers toi, toujours, là, il te pointe, un qui te pointe toujours avec norme, l'autre non, et le, le, le un peu officier, euh, entre guillemets, que tu pourrais catégoriser un peu plus officier qui reparle en français avec un accent. Ça. Monsieur, où sont les gens ici Où est le maire Où est nous sommes à la recherche de Damien Zibiaski Où est-il ben, Je vais répondre dans ma langue natale. Désolé, je ne comprends rien à ce que vous dites. Sur le même je ton de voix, donc un, ce... un ton de voix extrêmement calme quand même. C est... C est... Il peut voir ma perplex... la perplexité sur mon, sur mon visage. Ceci dit, on s'entend que dans les années 40, il y avait beaucoup de Basques qui parlaient que le Basque. Surtout, euh, surtout dans ce coin-là. Donc, il ne devrait pas être extrêmement, euh, extrêmement étonné de voir quelqu'un qui ne parle pas le français. Ouais, mais il fait psychologie. <laughs> ok. Il se doute que... Euh, il se met à parler en espagnol. Beaucoup moins bien que ce qu'il pouvait parler en français. Mais il dit, donc, en espagnol, là, je ne vais pas te le faire en espagnol, j'ai aucune idée, mais il te dit un peu la même chose. Où sont les gens oui, Monsieur le Maire, nous recherchons Damien zembieski. Vous savez quelque chose Répondez. En gros, grosso modo, ce qui dit en espagnol. Je ne sais pas si tu penses, est-ce que Arza parle espagnol ou pas Oui, aussi bien que, euh, moins bien que le français d'ailleurs, mais il parle espagnol. Bon. <laughs> Je pense voilà. qu'Arza va répondre d'un espagnol. Yo no sé nada. Je ne sais rien. Ok. C'est un peu du mensonge. Ben non, je sais pas où est Damien je sais pas où sont les gens. C'est sincère. Ben oui, mais il y a aucune okay, idée. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. Ok, donc il n'y a pas besoin de trucs particuliers. Ok. Bon, donc il fait signe à ces deux, à ces deux gars et euh, ils sortent de la, ils partent. C'est-à-dire qu'ils s'en vont Ouais, ouais. T'entends juste le "shift bah "bail dish". Donc il recule et un qui dit euh, euh, "restez ici, ne pas bouger". Et euh, ils sortent de la pièce. Oui, dès qu'ils sont sortis, moi je pars fais en courant chose, par l'arrière. Hein. Ok. <laughs> Donc, t'entends, euh, en sortant dehors, t'entends effectivement. Euh... Ah, Shimo n'était pas d'ailleurs. Pendant tout le temps du truc, tu sais pas où était Shimoun. Il a pas. C'est un bon chien. Il sait, il sait, il sait quoi, quoi faire. Il sait quoi faire. Voilà. Donc, euh, tu sors dehors et effectivement, t'entends, euh, au moment où tu sors dehors, euh, t'entends le bruit de, de véhicules en fait qui, qui démarrent et qui, et qui partent. Plusieurs véhicules. Ben, je vais me cacher, okay. de préférence. Okay. Ouais, je, le but, c'est de me cacher pour pas qu'ils me retrouvent si ils ont la mauvaise idée de revenir. Donc tu bah, vas te faire un petit jeu de cacher, alors Allez, cache en nous. Ouh, 10 pour 60. Je me cache très bien. Ouh, tu es invisible. <laughs> ok. Euh, bah, tu te caches à la tête. Très bien. Je me fais pas prier, puis j'attends 5 minutes. Et puis au bout de 5 minutes où j'entends plus rien, je me rapproche discrètement et puis je jette un coup d'œil sur la place pour confirmer qu'ils sont plus là. Qu ce que tu as pu entendre, c'est qu'il y avait 3 véhicules. Je pense que tu as pu entendre quand même, en se focalisant sur ça qu'il y a eu 3 véhicules. Deux motos et euh, une sorte de... Sais pas, une, comme tu pas vu, c'était une sorte de mini-camion ou voiture, un truc un peu, un peu plus gros. Quoi. Et ce pas les mêmes Allemands qui sont venus chez Damien ce matin, hein, c'est ça alors, ceux qui sont, ceux qui sont venus chez... chez Damien ce matin, ils ont fini dans la Nivelle. Mais euh... Ah oui, c'était les trois cadavres qui sont. Oui, c'est vrai. <laughs> c'était pas les mêmes. C'était pas les zombies allemands. Donc... Euh... Non. <laughs> Donc là, tu, tu sais que là, ils sont partis sur la route. La route, elle va. Au bout de quelques kilomètres, elle fait un embranchement et elle va soit vers Saint-Pé sur Nivelle, soit vers Ainoa. À moins qu'après, ils aient fait d'autres trucs, mais en tout cas, ils sont sur la route, ils sont sur... Ils sont sur la route principale pour l'instant. Donc. Et. Euh... Si on est à Sarre et les gens ont dû fuir ou se réfugier quelque part, le premier endroit où ils iraient, c'est à l'église. Donc je vais aller en direction de l'église pour voir si je trouve des gens. Ok. Donc tu traverses la place, fais-moi un jet de Spot hidden. Tout à fait. S'il te plaît. Et je rate lamentablement. Ok, très bien. Donc tu arrives devant l'église. Disons que Arthas, c'est pas son. La perception, c'est pas son. Sans ouais. forter. Hein en fait, c'est effectivement dans ce jeu-là, tu te dis, en fait, pour de la perception. Ouais, c'est vrai que trouver objet caché, c'est quand même chercher un truc très précis, donc c'est pas vraiment ça. Listen, ils ont fait un truc spécifique pour écouter, mais un truc qui serait lié un peu à l'ensemble des perceptions. c'est chez... très bien. C'est très bien. Ouais, ouais. Ceci dit, Arthur mais... a un chien. Ça s'appelle Shimun, qui est beaucoup plus perceptif que lui. C'est pour ça que c'est qu'il a un chien, comme les chiens de berger. Il... T'as raison. j'ai le droit de, de faire berger. un jet pour Shimun. Non, non, c'est ah pas bah que ouais, je pense... pour que tu fasses un jet pour Shimun, mais c'est juste pour toi. Non, te mais dire ça, que... ça, ça, ça m'intéresse. Je fais quand même un jet pour Shimon, et euh, je pense que c'est bon par rapport à son truc. Donc toi, t'as traversé la place et t'es arrivé aux portes de l'église qui sont ouvertes, euh, et tu as vu euh, Shimun qui s'est euh, légèrement arrêté au niveau de, euh, du puits. Qui a tourné autour du puits et après qui, bah, qui a vu que toi tu continuais et, euh, et qui arrive à l'église et donc il, il est revenu vers toi quoi. Et donc je lui demande, euh, t'as trouvé quelque chose bah, Tu vois qu'il se met en position comme quand il est à l'affût pour indiquer des choses et il, il te dit juste, enfin avec sa façon de, sa position, euh, il montre la, le puits. J'ai entièrement confiance en mon chien. Mon chien fidèle, c'est pas, c'est pas là si, mais c'est à l'abri, donc c'est un chien de berger, c'est fait pour ça. Donc je me dirige d'un pas décidé vers le puits et je regarde à l'intérieur du puits. Et éventuellement, je dis, je dis donc, à moins que je te le précise, je te parle tout le temps en basque. Je demande, en basque, il y a quelqu'un Donc fais moi, j'ai de Spotyden. Plutôt Lisson, non si j'entends du bruit. Euh, tu peux faire Tu fais les deux. Je te, ça comptera pour les deux. Tu fais un seul G et je, je regarderai par ah, ouais. l'île et par Spot Hidden. Eh bien, je rate. Ah non, 4. 40, ah non, ah non j'ai réussi l'île, mais je rate Spot Hidden. Donc ta, ta voix porte et elle résonne sur, le, sur les pierres du puits et jusqu'à l'eau. <laughs> euh, C'est bon. Pas, <laughs> pas de, pas de repos. Spot Hidden, donc tu rem... a, Bah, tu vois, il n'y a rien qui te. Qui te qui qui t'alerte ou qui, te, qui attire plus ton regard que ça. Euh, par contre, là où t'es comme t'es bien au-dessus du puits, tu reconnais une odeur qui est la même. Cette odeur de charnier mélangé à l'humidité. Ouais, c'est ça. Mmh. Tu la même odeur que t'avais déjà sentie chez Damien. Mais dans le puits. Oui, dans le puits. Dans le puits. Mmh. Je vais. Je vais rapidement retourner dans la. Dans le bar, puisque je suis juste devant. Je vais aller chercher une lanterne. Tu sais, une lanterne au gaz. Mmh. Je l'allume. Je la mets dans le dans le seau du puits et je fais descendre le mmh. seau avec la manivelle. Ok, donc tu fais ça, ouais, pas de problème. Et puis je vais voir. Je veux... Le but, c'est quand même voir ce qu'il y a en bas avec la lumière allumée. Mmh. Tu vois qu'il a l'air d'avoir l'eau habituelle. Mais il y a, il euh, y a, il n'y a personne. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de personne euh, cachée sous le puits. Non. En tout cas, avec ce que tu fais là, tu vois rien de particulier. Je rappelle encore une fois. Il y a quelqu'un Toujours rien. Toujours rien. Hmm. Hmm. Tu vois Shimon qui, euh, à côté de toi, qui, euh, qui pointe une direction maintenant. Qui, qui s'est mis en, à l'arrêt, à l'affût, et qui montre une direction. Alors, et, donc, je me retourne vers lui et je fais... Shimon, trouve ouais. Fais un jet de... Bah, non, non, je lui dis. Ça va sûrement rater, mais... Je lui dis, trouve Trouve Ok. Et je le suis. Tu vois qu'il part dans une, dans une direction. Mm -hmm. Fais-moi un jet de perception, quand même. Donc, on va dire spot done. Tout à fait. Ah, j'ai réussi 24 <laughs> Super Oh, magnifique ouais, Donc tu vois... En fait, tu vois que Shimon est parti dans une direction qui remonte dans le village, qui descend vers le un peu le sud et à un moment donné, effectivement tu vois une ombre tu vois au loin euh, quelqu'un qui marche en fait assez vite euh, est-ce que c'est tu... oui, tu... une silhouette oui. d'allemand de... ou est-ce que c'est un... quelque chose de ça se voit c'est quelqu'un qui est qui est rigide qui marche droit tu <laughs> sais il y, a, il, y a une... il y a une démarche militaire oui <laughs> oui ouais, bien sûr tout à fait donc comme c'était un peu loin tout ça non ça ne ressemble pas être un allemand alors j'interpelle c'est très loin donc il va falloir hurler si tu veux interpeller tu peux mais il va falloir hurler Ouais mais, ouais, mais je fais ça, je mets mes, mes mains en porte-voix, là, et euh, de ma large voix, de mon... Donc, on, on, tu te souviens, Artsa, il est assez petit, il fait moins de 1m50, mais il est très trapu. Donc, euh, mm -hmm. j'inspire autant d'air que possible avec mes mains en porte-voix, et je, je fais un appel, euh, bref, tu sais, plus ce euh, type onomatopée, mais qui est grave et qui résonne. Le truc du berger, quoi. Ouais. OK, tu fais le ton appel. Donc, vu ton expérience, tu es certain que, on va dire, la silhouette a dû l'entendre. Mais, mais elle ne s'arrête pas. Elle n'a pas accéléré, ou autre, elle continue de son bon pas, mais elle ne s'est pas, pas arrêtée. Loin combien oh, euh, Loin... Euh à la limite de ton champ de vision quoi. c'était vraiment t'as réussi à le voir tu sais pas pourquoi il y a dû voir un truc qui peut-être s'est reflété un truc comme ça c'était vraiment à la limite de ton champ de vision donc je sais pas ça fait presque un kilomètre quoi. avec les maquis fin avec les pierres les voies de route tout ça vraiment euh, loin de toi d'accord donc euh, bah c'est mort même si je me dépêche d'y aller euh, euh, j'y arriverai pas donc voilà ce que je vais faire je vais quand même retourner à l'église pour aller voir s'il y a quelqu'un et s'il n'y a personne je vais aller à la mairie parce qu'il y a un téléphone à la mairie. Peut-être. Okay, donc, euh, <laughs> aller à l'église. Euh, Et voir s'il y a quelqu'un. Personne. personne. Ok, donc il n'y a personne. Ok. Donc après, tu vas à la mairie. La porte de la mairie est fermée à clé. Ah. Voilà, ah, euh, La porte de la mairie. Eh bien, je tape à la porte. Et s'il n'y a personne qui répond. J'imagine que le maire il habite à côté de la mairie, donc je tape à la porte de chez de chez le maire, le fameux maire que les allemands vont les ouais, retrouver. Michel là. Ouais. Ouais, ouais. En fait, il dort, euh, il a, il a, il a il habite pas du tout dans la mairie. Hein. La mairie c'est un, un lot communal et tout ça. C'est un, 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 un agriculteur euh, du coin, donc euh, bon, c'est une famille, une famille assez historique. Donc il a, il dort pas à la mairie quoi. Il a une maison euh, familiale à côté quoi. À côté ou un peu plus loin. Dans le village, un peu plus loin dans le village, quoi. Tu sais ce que je vais faire Il y a probablement des vélos qui traînent dans les années 40, des vélos devant les maisons, il devait y en avoir, qui n'ont pas de cadenas, on s'entend. On n'est pas à Paris. Oui. Donc, euh, donc je vais prendre le premier vélo qui est devant moi et puis je vais, aller, je vais commencer à circuler à vélo, ça va aller plus vite. Fais-moi un jet de chance. Ah, un jet de chance pour. Ah, oh, bah j'ai de la chance, ça va. Pour qu'il y ait un vélo <laughs> Je réussis. Pour de chance. Ok, donc tu arrives à trouver effectivement il y a un vélo dans le coin qui a été abandonné ou qui était posé et qui n'est pas attaché et que tu peux prendre donc ouais tu un vélo. Et donc je vais à la maison de Monsieur le Maire. Ok, donc euh, tu circules et tu euh, arrives à la maison du Maire qui est en fait euh, à la périphérie de la ville de, de Sarre quoi. Et ai-je croisé quelqu'un en chemin Non. Vu une voiture, vu un vélo, n'importe rien du tout mmh. Personne. Donc euh, ça me fait quand même pas mal flipper. Mais il faut plus que ça pour ébranler un, un basque. Donc je vais taper à la porte de la maison du, du, du maire. Ok, tu tapes à la, à la, à la porte. Il y a quelqu'un qui fait... Oui C'est une voix qui a, qui a l'air d'avoir quel âge mmh, L'âge d'une femme mature. Ok. Euh, je dis... Qu'est-ce que je dis d'ailleurs Il faut que je dise quelque chose de rassurant. Je fais. Monsieur le maire est là? Tu vois que la, la porte euh, s'ouvre euh, doucement et tu vois une, une dame euh, bah, la cinquantaine, euh, après très normalement, un truc comme ça. Euh. Enfin, tu la reconnais, c'est euh, Mathilda Le Oui, qu'est-ce euh, qu qu'il y a Ah, elle te connaît, je présume Ou pas Est-ce que tu quelqu'un qui est connu dans le secteur ou pas ça oui je connais comme étant donné que moi je suis d'ascain et que, que, que c'est mon chemin de contrebande je, je passe très régulièrement alors ce c'est pas impossible que j'ai rencontré le, le maire et sa femme et, et en fait la majorité des gens du village de, dans les dix dernières années où je faisais ça quoi ok donc on va dire que elle t'a déjà croisé vous avez pu peut-être entre guillemets sorte de mini fête du village où il y a des choses vous avez pu euh, comme c'est quand même la femme du maire et... Et euh, il, est, il est maire depuis presque euh, avant la guerre, en 1935 ou un truc comme ça. Il y a des des élections par là, et donc il est déjà depuis un certain temps. Hein, et euh, il fait ce qu'il peut pour pour maintenir une sorte de neutralité. Donc, euh, vous avez déjà l'occasion de choix Donc oui, elle te elle te connaît quoi euh, Oui. Ah qu'est-ce qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que vous voulez Est-ce que ton mari est là euh, Mon mari, il est il est, ben, il est parti à la mairie ce matin comme comme tout. Les jours en ce moment pour voir les papiers, non, non, non. Là, je suis tout seul pour l'instant. Je suis en train de préparer l'affaire euh, pour ce soir et tout ça. Est-ce que les enfants sont là J'imagine qu'ils ont des enfants, mais euh, elles sont assez âgées. C'est des enfants qui ont peut-être 25 ans, qui okay, sont, sont déjà pas... en vie active. Euh, ouais. ils, sont... ils habitent pas avec eux, <laughs> non. Enfin, s'ils si, habitent, peut-être avec. Il y a des chances qu'ils habitent avec la propriété familiale, ils habitent là, mais ils sont au champ, quoi, ou dans la partie euh, des activités euh, agricoles. Ou mais donc je, 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 font, donc, je, lui, demande, je lui pose des questions. Est-ce que les enfants sont là euh, Non, non, tout le monde est à son, à son travail, quoi. Euh, apparemment, les Allemands recherchent euh, ton mari, Mathilde. Et il n'y a personne à la mairie. Il n'y a même personne dans le centre du village, entièrement. Je sais que ça paraît fou, mais je te promets, euh, les Allemands sont venus dans, dans, dans le centre du village et il n'y a plus personne là-bas et ils étaient à la recherche de ton mari. Euh... Et la mairie est fermée. Ah, la mairie est fermée, ça c'est bizarre. Est -ce Après que... que les Allemands le cherchent, c'est le maire et euh, avec les activités actuelles, c'est normal qu euh, que ces salauds viennent, euh, viennent poser des questions et tout. Hein. Tu sais qu'en plus si il y a le camp... Euh... Au nord, donc forcément, euh, des fois il passe. Par contre, que tu me dis que la mairie a personne, ça c'est très étonnant quand même. Je... Damien a disparu aussi. Il a été, euh... Les Allemands sont venus chez lui ce matin pour, euh, pour l'arrêter et il a disparu. Monsieur Zibieski euh... Ouais, là c'est plus compliqué, on ne pourra rien faire pour lui. Hein. Ouais. Ziarowski. D'ailleurs, Ziarowski, j'ai du mal avec son nom, toujours, malgré toutes ces années. Enfin bon, oui, Damien. Monsieur Damien, oui. Est-ce que, est que tu as un double des clés de la mairie, dans la maison J'imagine que oui. Euh, non, moi je les ai pas, mais par contre, tu dois voir le garde, euh, garde du village qui doit les avoir à son, à son poste. Et puis, il euh, y a peut-être aussi l'adjoint au maire, euh, tu sais, le docteur euh, Ah, euh, Notre ami, le docteur euh, Salaberry, qui habite au cœur du bourg, lui, donc... Euh... Mais non, j'ai pas les clés, non. Tu sais, ces trucs administratifs, c'est pas trop mon mon truc... Hein. Enfin bon, au moins il essaie de faire ce qu'il peut et on est au calme ici, mais... Non, j'ai pas pas ça, je suis désolé. Ok, bon, ben... Euh... Reste à l'affût et fais attention, oui. je vais aller voir le garde de la vie, de, okay. de, de la, du village. De la bon, ben, je, te, je te remercie à ça et euh, ben, si tu peux me tenir au courant en repassant... Ben, je passerai par là tout à l'heure. Super, merci. Donc, à nouveau sur le vélo à bicyclette. Mmh. <laughs> Je refaire le chemin inverse. Tu vois que Shimon qui te suivait est reparti dans une direction après. Au moment où tu repartais, il repart euh... bah, la direction qui par où le... Le... la personne que vous avez vue au loin est repartie. Il s'est il retourné un et il repart dans cette direction par là. Ah bon Je lui dis. Shimon, ici On n'a pas le temps d'aller chasser les lapins. Et je, donc je, je vais dans la direction des, euh, de la maison du gars. Ok. Tu vois qu'il a boit un coup, puis il se revient vers toi, et il, il t'obéit. Donc tu reviens dans le village, là. Donc la maison du garde, en fait, elle est à côté de. à proximité de l'église, en fait. C'est une tour de. Donc s'il y avait quelqu'un, je l'aurais vu, quoi, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Bah, en tout cas, cette porte-là, elle est, elle est aussi fermée. Si tu pousses la porte, elle est ouverte il n'y a personne. C'est une, une sorte de petit bureau avec un. Lid, à point, des choses comme ça, et il n'y a personne. Ouais. Et les clés euh, Fais-moi j'ai de chance. Ouais, 22 pour 80. Les clés sont là. Je prends les clés. Mm -hmm. Et donc je vais à la mairie, comme prévu. Donc tu arrives à la mairie, donc tu peux ouvrir la, la porte de la mairie qui était fermée, effectivement. Donc là aussi, c'est désert. J'appelle, hein, au fait. J'appelle de, de, à haute voix et mm. tout. Et... Non, personne ne, ne répond. Chut, 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 chut. Au moins j'ai de spots Je peux faire ça. Et après, je vais me dire. Si je... En enfin ce que je fais, ensuite je vais me diriger vers le téléphone. Je rate. Ok. Et tu vois que Shimoun euh, s'approche de. La... Ben, en fait, le. Est pareil, la mairie n'est pas bien grande en fait. Hein. C'est plus un aménagement qui a été fait à l'étage de... du marché couvert. Et euh, malgré tout, il y a un coin, un peu un espace où. Euh quelques Personnes administrées, sûrement ils mangent ou euh, ouais, on ou prend une sorte de pause, un truc comme ça. Et en fait, tu vois que Shimon est, est, est en train de tourner là et il tape avec son nez sur. Euh, il tape. il indique avec son nez euh, où il cogne un peu entre guillemets une zone de, une partie de la table en fait. où Il y a une assiette et un, un broc d'eau, tout ça. Artsa se se dirige là où, où Shimun est et donc s'il tapote de la pâte, euh... non, il, il était sur la table où il y avait les, les restes de repas, des choses comme ça. Okay. C'est là qu'il tapote avec son nez. Et quand tu arrives de cette zone-là, effectivement, tu, tu sens encore la même odeur que dans le puits. La même odeur que dans le puits. Mmh. En fait, tu vois que l'eau, elle a. Enfin, tu vois, tu sens au niveau de, des verres et là où il y a la, le brodo de ça, c'est la même odeur en fait. En fait, c'est l'eau qui sent cette odeur-là. Mmh. Mais que l'eau Oui. Comme si elle avait été empoisonnée Je sais, des fois je suis un peu épais, donc il faut me le dire quatre fois pour que je comprenne. Hein On s'entend, mais... Donc est-il possible que l'eau ait été empoisonnée Fais un jet de... Alors, ouais, bon, ça serait track. En fait, le meilleur truc, finalement pour perception, ça serait presque track, non Non, <laughs> listen. Spot hidden, listen spot ça ah oui, listen, pardon, listen, listen, listen. Ouais, listen. Très bien, listen. Okay. Okay, bon. Donc un jet de... écoutez. Alors, listen, écoutez. Je réussis, 47. Parfait. Tu entends au loin des, des bruits motorisés. Oh putain, c'est les Allemands qui reviennent. Et effectivement, Chimoune aussi, tu vois qu'il fait est... Il est style. Il y a... ouais. Comme effectivement, il y a quelque chose qui arrive. Quoi. Donc je monte sur mon vélo et je... Donc là, tu es à l'étage pour l'instant. Donc il faut que tu redescendes. Non, que oui, que non, non mais vélo. je traîne pas je... OK. Et je m'éloigne, je, 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 je m'en vais même. Je, okay. fa... je vais pas retomber face aux Allemands. Tu fais effectivement, tu entends loin des, euh, des véhicules motorisés qui arrivent. Ouais. Ce que je fais, c'est que je... je me mets et en fait je monte euh, un peu la côte et je me mets en hauteur. Okay. Comme ça, je suis loin, mais je peux quand même voir. Parce que je veux savoir ce qui se passe quand même. Ok, donc tu, tu peux, parce qu'en plus, ça, euh, c'est... Euh à descendre du pic de la Churia. donc euh, forcément c'est quand même descente, il y a des montées et tout, donc tu peux effectivement partir du côté plutôt qui monte et puis de regarder entre guillemets d'avoir un point de vue, de trouver un point de vue pour. Et j'ai des cas, jumelles, même pour la ville. Tu te souviens que, que j'ai des, des jumelles, jumelles dans mon sac, donc je... ouais. En fait, ce que je fais, c'est que j'observe je... Je les... ce qui se passe avec aux jumelles, mais je les mets pas tout le temps pour pas que le soleil reflète et qu'il me voit à distance, mais euh... mais j'ai des jumelles, et je regarde ce qui se passe. Ok. Sens les Allemands qui sont de retour Ce sont les Allemands qui sont de retour, effectivement. Trois véhicules encore euh, Non, il y a plusieurs véhicules. Donc, euh, il y a plusieurs véhicules de ce type-là, qui sont donc des motos, euh, avec à chaque fois donc forcément euh, son, son pilote. Mm -hmm. Et il y a deux sortes de Jeep, on va dire les Orch 108 et un euh, camion un peu plus gros, le Steyr 1500. Donc euh, forcément avec des troupes euh, allemandes. Avec des jumelles, je ne vais pas faire ça, c'est des logos SS. D'accord. Et euh, ce que tu notes aussi sur les portes des véhicules, c'est euh, en fait ils ont le symbole euh, euh, nazi avec l'aigle et les ailes déployées dessus. C'est pas le symbole de la Luftwaffe et ce pas le symbole classique de... Tu vois de la l'armée de, la, de, la de terre la Wehrmacht pardon. C pas tu vois, c pas, c tu vois que c'est une, une ça fait pense tout à une division spéciale quoi. C'est une division spéciale, d'accord. Mm -hmm. Et donc qu'est-ce qu'ils viennent faire C'est tu me décris la scène euh, de manière macroscopique. Donc euh, ce que tu as dit ils sont arrivés sur la place dieu ils sont garés et ils ont commencé à fouiller les à partir dans les, les grandes maisons et essayer de fouiller. Tu vois qu'ils ont l'air de fouiller quoi, le village. Il okay. y a un groupe qui reste près de la... du steiger là, celui-là. Il y a un groupe là qui est là et euh, effectivement il fouille Donc tu m'as dit que la maison du maire est loin quand même. Elle est à la périphérie du village donc oui. là ils y sont pas là. Non. Donc si les Allemands décident d'aller dans cette direction, dans ce cas-là ce que j'ai ferai c'est que je me dépêcherai pour euh, aller prévenir Mathilda et lui dire de s'en aller. Mmh. Mmh. Sinon je vais tout simplement, attendre de voir ce qu'ils font. Pas parce que okay. euh, j'ai peur, mais c'est juste que j'ai aucune idée. Euh, euh, j'ai aucune idée de ce qui se passe. donc euh, okay. Et que le téléphone il est toujours dans la mairie. Donc, <laughs> et que je viens juste de m'en aller. Et je voulais utiliser le téléphone. Fais-moi de spot hidden. Ça, je peux faire. Ouh, 14 sur 27, je réussis. Oh, super. J'ai les les chemins ça l'a aidé. Tu, tu notes un point particulier qui, enfin en tout cas, qui attire ton regard, c'est dans le véhicule à l'Ostayer, là. Mm -hmm. Donc, les autres, tu as des soldats euh, allemands, euh, donc SS, avec parce euh, enfin, que tu as déjà vu, habitué ça. Et en fait, ce qui attire ton regard, c'est euh, dans le véhicule, euh, là, à l'arrière du véhicule, il y a une, un visage totalement, euh, enfin, quelque part, tu aurais, aurais pu dire inattendu, quoi. C'est pour ça que cette tu as sûrement noté. Tu civil, vois le, une jeune femme, non ah. Euh, Quelqu'un qui est vécu en militaire, mais une jeune femme blonde, elle est habillée en, en tenue par contre type ouais, blouse de cuir, enfin veste comme ça, cuir euh, pratique quoi, elle n'a pas de pas de chapeau ou autre, blonde, assez jeune, euh, avec le même symbole de l'aigle, la croix gammée avec l'aigle et les ailes déployées, et euh, pareil avec des, des rangs militaires sur elle, c'est ce qui t'a un peu surpris, parce que de à ta connaissance des femmes chez les SS, il n'y en a pas. D'accord, et donc... Euh... Et Shimon est reparti dans la direction, euh, enfin il a, il a re et est reparti du côté euh, de la direction où tout à l'heure vous avez quelqu'un qui était, qui était parti, quoi. Mm -hmm. De toute façon, bon, là ils font fouiller, ils vont aller trouver, ils vont repartir, ok. Bon, il est temps de... Alors, si on font euh, si, si combien de temps t'attends, c'est ce qui va se passer, effectivement, ils vont fouiller, ils vont, ils vont repartir. Je pense que Descartes voit que Shimon s'éloigne et qu'il a l'air d'insister pour y aller, c'est qu'il a dû trouver quelque chose. C'est pas être un lapin. Donc, allons-y. Est-ce qu'on est toujours sur un chemin ou est-ce qu'il part en travers à travers la, la, la le, le champ Shimon? C'est un peu à travers la cambrousse, mais c'est habituel par rapport à vos façons de déplacer. Non, euh, non, mais je vais continuer à vélo quoi. Il faut ce vélo, il faut j'aille à pied. Si y a, y a, y a, en fait, il y a des sentiers, si, si tu peux, enfin, il y a une partie que tu peux faire, ou alors des fois il faut pousser un peu le vélo, mais après, il y a un peu de sentiers un peu praticables et tout ça. Il y a un peu. Enfin, tu peux suivre entre guillemets Shimun euh, en truc en, en vélo. C'est juste pas, pas infaisable quoi. Après, effectivement, c'est peut-être plus simple de pouvoir marcher. Ouais, mais euh, vu en mon en âge cas, et vu que j'ai crapailleté toute la journée. Et. Mmh. Vu que j'ai pas de moyens de transport pour rentrer, parce que je suis censé prendre le bus et le bus il pas du tout passé depuis. J'imagine <laughs> que vaut mieux que je garde le vélo pour l'instant. Donc je vais continuer à vélo euh, et... Mmh. et je vais essayer. De toute façon, c'est à peu près, près 2 km tu, tu te rends compte que Shimun t'amène du côté des grottes de Sar. À nouveau euh, C'est pas à nouveau. Les grottes que toi t'avais vues, c'est celles qui étaient dans le parc euh, même de chez Damien. Mmh. Là, c'est vraiment les, celles qu'on appelle officiellement les, ah, grottes, les, de les grottes de Sar. De ok. Ouais, c'est les... les officiels quoi. <laughs> euh, les plus Les grands, connus quoi. quoi. Euh, les connus, ouais. D'accord. Allons en direction des grottes, mais il y a l'eau, Ça va être plus simple. Je... Euh, donc... Il y a des sources probablement. Il y a des rivières, il y a des sources. Euh... Il, y a plein de... ouais, il y a plein de petits cours d'eau, ouais. Je vais aller sentir l'odeur de l'eau. Ça a l'air con comme ça, mais. Non, non, tu peux. Donc tu t'approches d'un cours d'eau et tu sens l'eau. Non, ça, ça a l'odeur euh, normale. Ok, ben je, vais remplir... Attendu quoi je vais remplir ma gourde alors, euh, parce qu'à force de faire du vélo, j'ai vais... soif. C'est pas faux, ouais. Et au moins j'aurai de l'eau qui... qui est potable, <laughs> euh, qui est même peut pr probablement très pure, indépendamment euh, de l'endroit. C'est pas la nivelle, hein, c'est des petits cours d'eau, machin. Oui, c'est ça. Et donc, ouais. une fois que j'ai fait ça et que j'ai confirmé que l'eau n'avait pas cette odeur-là, je me dirige euh, en direction des grottes. Mmh. Je suis Shimon, en fait. Il a l'air d'avoir repéré quelque chose, je le, je, le laisse, euh, je le laisse aller dans la direction qu'il pense. Ben en fait, euh, à un moment donné, il, il s'arrête un petit peu en te montrant euh, l'entrée des grottes. Et tu, euh, Donc Il se met à l'affût et tu peux voir effectivement l'entrée des grottes avec euh, euh, du côté de l'entrée des grottes, euh, parce que là, on n'est pas encore au site touristique, on est dans les années 40, mais c'est pas vraiment un endroit comme, qui est touristique, donc il y a quand même pas mal de broussailles, des comme ça, donc elles ne sont pas ouvertes, exposées euh, aussi. Euh, accessible qu'elles le sont actuellement, mmh. euh, mais tu repères l'entrée, donc il s'arrête un peu avant, et tu euh... et tu vois euh... non fais-moi d'abord un spot hidden, plus jamais, c'est plus sympa de faire un spot hidden. T'as raison, autant échouer d'abord et ensuite on verra. <laughs> c'est ça. Voilà, j'échoue. <laughs> <laughs> ok, donc euh, tu repères ça dans là. donc donc tu notes pas de truc ce que, que tu notes peut-être dans les fourrés un hein, truc comme ça, tu vois, où il y a être un ou deux vélos qui ont été posés là. Ah, bonne Et il euh, y, y a aussi, euh, peut-être par rapport à l'info où tu es venu, du passage, quoi. Je veux dire, tu as quand même l'habitude ça, tu vois qu'il y a du passage, quoi. Hum mmh, bon. Donc c'est une bonne mais c'est peut-être là où les villageois sont allés se réfugier, en sachant que les Allemands allaient arriver. Donc je vais m'y rendre. Euh, je reste relativement discret quand même, mais je m'avance dans les grottes et voir s'il y a des gens à l'intérieur d'accord donc t'avances euh, dans ces grottes c'est ça tu rentres donc t'es saisi par l'humidité par rapport à la chaleur extérieure et tout ça effectivement l'humidité des, des grottes et pour les auditeurs j'ai quand même reçu une bande sonore qui s'appelle Nightmare ça a l'air super ça <laughs> et fais-moi un jet de Listen. allez je suis tout twit oui. J'étais sur mes gardes. <laughs> échec critique. 97. Mais non, c'est 99. Hein. Ah, c'est 99 euh, les échecs critiques. Ouais, ah ouais, bon c'est 99. Bah alors, pas juste un, un échec. Juste échec très lamentable. Voilà. Donc, effectivement, avec peut-être euh, l'humidité, tu en train de t'habituer, t'acclimater, donc ça. Je suis tellement concentré à écouter que, bien... que j'entends pas, en fait. Voilà, c'est ça. Et tu pas, et en tout cas, tu peut-être des bruits de plic-ploc d'eau, trucs comme ça. Et rien, par contre, tu vois que Shimun à côté de toi est bien à tes côtés et a le poil euh, hérissé. Il a l'air stressé. Euh... Il y a peut-être une bête qui s'est réfugiée. Tu sais, je vais sortir mon maquillage. Mm -hmm. Ou en fait, je... il est déjà sorti puisqu'il accroche à mon sac, mais je vais le prendre en main. Et est-ce que je vois des traces de passage récents C'est ça qui est intéressant. Savoir s'il y a des gens qui sont passés et éventuellement dans quelle direction ils sont allés. Ouais, tu fais un de Track Oui, peut-être. <laughs> oui. Oui, 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 ça marche. 42%. Okay, donc, oui, a, oui, tu vois qu'il y a pas mal de traces. Et sur euh, un peu après être rentré en fait, comme euh, c'est mettre de la lumière parce qu'il est pas éclairé, donc <laughs> vite noir dedans. Tu distingues aussi peut-être des caisses euh, à l'entrée, sur le côté, en suivant les quelques traces, et euh, qui ont été mises dans un côté quoi. Et euh, oui, il y a eu du passage récent qui va vers l'intérieur des grottes. Des caisses? De quoi Je vais aller voir la... qu'est-ce qu'il y a dans les caisses. Mmh. Tu euh, t'approches de, des caisses et tu vois qu'il y a des euh, des bouteilles d'alcool, des choses euh, inflammables, des outils aussi pour euh, casser la pierre, choses comme ça. Ça a été mis pas, ça... Enfin, ça a pas été caché quoi. Ça a été mis dans un coin quoi. Il y a... voilà. peut-être deux caisses qui font à peu près euh, un peu moins d'un mètre de haut sur euh, un mètre de, de long quoi. Euh, et elle, elle contient voilà, plein de trucs, euh, un peu du, ouais, de l'outillage et puis euh, différentes matières euh, inflammables. inflammables pardon. Ok. Artha vient d'avoir une épiphanie. Je pense qu'ils viennent comprendre. Ah. কৰ্ণাটক শক্তি সত নবা sur un duo royalist. Que va-t-il arriver à Arza et Shimon Que vont-ils découvrir Vous le saurez dans la prochaine session. Merci à vous, à très bientôt